Gilles Dubois pour la piste sanglante. Sylvie Frigant pour Ariane et son secret. Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé pour Étienne Brûlé, le fils de Champlain. Daniel Marchidon pour la première guerre de Toronto. Et Aurélie Reich pour Les voleurs de couleurs. I would like to announce the winner today is Daniel Marchidon pour la première guerre de Toronto. Voici ce que le jury a déclaré à propos du livre. Ce roman, écrit dans un style maîtrisé et accessible, fonctionne à plusieurs niveaux. D'une part, il fait revivre l'époque de la Première Guerre mondiale et le rôle important que les Canadiens français y ont joué. Mais aussi, en offrant des personnages à la fois complexes et attachants, il trace un portrait de la communauté francophone de Toronto au début du 20e siècle et fait connaître les différents enjeux ainsi que les aspects politiques et sociaux de leur présence dans un milieu qui n'était pas toujours accueillant à leur égard. C'est un livre riche, bien écrit, qui fait découvrir aux jeunes plusieurs dimensions de l'histoire des Canadiens français en Ontario. J'aimerais demander à Daniel de bien vouloir venir accepter son prix et de prononcer quelques mots avec aussi Yvon Mallette des éditions David. Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup aux membres du jury d'avoir choisi mon œuvre. C'est un très grand honneur pour moi d'accepter ce prix. Et ça fait énormément plaisir donc de me retrouver ici au Prix Trillium. D'abord, j'aimerais tout de même remercier Micheline Marchand, conjointe qui m'a donné l'étincelle pour ce roman. Et aux éditions David, vous savez, le travail d'un auteur, c'est un travail solitaire, mais aux éditions David, on est bien accompagné. Alors, un grand merci à Yvon Mallette, et puis également à Marc Henkins, Marc Pelletier, et puis aussi Anne-Marie Bertium, qui a fait la très belle maquette du livre, qui je pense qui est pour quelque chose. As an author who writes in French about Franco-Ontarians, I can tell you that it's a lousy business plan. So awards like this really help out and compensate maybe for some other choices I've made. Donc, c'est un très grand honneur pour moi. Merci. Et puis, à tous les autres auteurs, bien, je suis sûr que c'est juste partie remise.